et tous les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, on a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Oh mon Dieu, bordel de merde, c'est bon. Bordel. Nicolas Villas. Toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'After Mini, hein. Surtout nous les d'After, bah, avec Pierre Ducrot et Jérôme Reven. Le plus petit After de l'histoire des After. Franchement, je pense qu'on n'est pas loin. Là. Pourquoi? Parce qu'on l'a vécu. On va avoir le record. Parce qu'on était dans la prolongation du match, du premier quart de finale de Coupe de France entre les Herbiers et Lens. Les Herbiers 15e de National, qui ont sorti les Lensois 14e de Ligue 2. Victoire au tir au but, hein. 4-2, victoire de l'équipe entraînée par Steph Massala, qui a remplacé Fred Reculot il y a quelques semaines. Qui est toujours invaincu, hein. Qui est toujours invaincu, c'est vrai. Ouais. Ouais. Il n'a pas encore perdu Steph Massala. Et qui a gagné 4-2 au tir au but et qui est donc qualifié pour les demi-finales de Coupe de France. Ça a été un triste match, hein, notamment de la part des Lensois. Ouais, il n'y a pas eu grand-chose. Ils n'ont jamais été capables de mettre du rythme. En tout cas, un rythme suffisant pour dépasser celui des Herbiers. Le terrain a aidé personne aussi ce soir, je crois. Que ce soit les Herbiers ou Lens, à mettre un peu de qualité dans le jeu. C'était pas un cadeau. Donc c'était un match assez pauvre. Ouais, mais bon, après, tu continues, équipe professionnelle, je suis désolé, mais alors les terrains ou pas, on a tout joué sur des terrains merdiques, qui fait froid. Ça n'était pas quoi. Oui, mais t'es quand même dans un contexte à la Beaujoire tu où dois faire plus. C'est pas un match traquenard, c'est un quart de finale de Coupe de France. Non, loin de là. Vu la saison des Lensois, c'est inadmissible le comportement. Déjà, le manque de rythme. Ils ont mis une mi-temps pour vraiment rentrer dans leur match, mais Il y a encore que la deuxième, elle est pas non plus. Non, mais la deuxième, ils dominent, ils jouent plus haut, ils ont le ballon. Après, ils ont pas des grosses occasions, mais ils en ont plus qu'en première mi-temps où ils ont été en danger. Mais après, voilà. Et même la gestion des tirs au but. T'as l'avantage de mener au score. Le gardien, ton gardien, il te fait un arrêt. Donc t'es en avance. Et tu tires d'une façon, il y a une envie de faire mal à l'adversaire. Après, ou pas. Dans le match, je rejoins parce que je pense que dès le début du match, t'aurais dû sentir plus de différence que ça. Après, les tirs au but, on sait que. C'est trop tard, quoi. Il peut tout se passer. Roland disait tout à l'heure qu'il était un peu inquiet quand même pour Lens et la dynamique éventuelle qu'il pourrait y avoir derrière. Ils ont 6 points d'avance sur la place de barragiste. C'est pas un gros écart. Hein. Tout reste possible, mais en même temps, derrière, ça va pas vite non plus. Chaque week-end il se passe des choses parce que tout le monde bat un peu tout le monde ou tout le monde arrive à perdre contre tout le monde aussi dans cette Ligue 2. Donc les 6 points d'avance ils sont quand même confortables, je pense. Non mais ils sont confortables. Maintenant après il faut faire attention parce que c'est vrai que moi je rejoins Roland, t'as une dynamique qui se là c'est un gros coup derrière la tête mine de rien parce que il faut pas se leurrer, même si t'es 14e de Ligue 2 aujourd'hui et que tu fais pas une grande saison, t'arrives quand même avec des certitudes sur ce match-là et quand il y a eu le tirage, tu joues les Herbiers à la Beaujoire, te vois plus ou moins déjà en demi-finale. Il y a moyen que deux. Donc là, il y a un coup derrière la tête. Tu vas jouer un championnat où tu sors quand même d'une défaite chez toi contre Clermont, qui est loin d'être exceptionnel. Sauf que moi, pour y être vendredi dernier, il se passe pas grand-chose non plus. Quoi. Et ouais. Les supporters. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions contre Clermont. Il n'y a pas eu beaucoup de rythme dans le match non plus. Et ça aurait même pu être un peu plus sévère pour Clermont. Il y a un poteau, il y a quelques occasions. C'est pour ça. Et à 31 points, ils ont 31 points, il me semble, au classement. Même s'ils ont 6 points d'avance, 31 points, t'es pas maintenu. Donc il faut aller grignoter. Il faut aller en chercher aussi. Hein. Ouais. On va se plonger dans quelques instants, vous donner les dernières informations concernant Neymar, parce que son papa vient de s'exprimer sur une chaîne brésilienne, et on va vous donner ça dans quelques instants. L'After revient tout de suite, parce que là on a fait un gros débriefing, et on va faire le plus lourd derrière. A tout de suite pour la suite de l'After.